Bien, donc vous étiez tous rentrés par la bouche d'égout, à côté du château Saint-Ange. Et alors, au niveau. Et donc, vous arrivez devant une galerie. Je vais vous la partager l'image. Et au niveau de l'ordre de marche. Alors, déjà, qui a la carte? Justement, vous aviez. Masso, toi, tu avais récupéré la carte du réseau des égouts. Et donc, vous allez pouvoir vous orienter en correspondant en association les symboles et l'endroit qui normalement devrait se trouver le Clypeus, le morceau du Palladion, et en corroborant justement le tracé du réseau des égouts. Vous pouvez à peu près vous orienter. Vous savez pas où est-ce que ça se trouve exactement, mais vous arrivez à définir la zone. Et au niveau de l'ordre de marche, On se trouve où, on sait où se trouve le Clypeus? vous savez dans quelle zone? On sait dans quelle zone il s'est enfui Squino, mais... Enfin, ce que vous savez, c'est que vous savez pas où est-ce qu'il est sorti exactement, Pasquino. Par contre, dans les notes du docteur Richman, vous savez la zone à peu près où se situe le Clypeus. Ah d'accord, j'avais pas compris ça, ok. Bah, je pense que soit Mazo sera devant, soit moi, s'il me donne le plan des égouts et enfin, je pense que je suis l'homme de la situation, donc Moi, je vais fermer la marche. Mais je te donne la carte. Voilà. Donc j'en prends connaissance. Et Pete, enfin Masso, toi tu es deuxième. Oui. Ok. Tobias Je troisième. donnerai les consignes générales de communication. Voilà, je leur ferai un signal aussi quand éteindre les lumières, s'il y a besoin d'éteindre les lumières. Ce genre de choses, quoi. Le briefing d'avant-opération. Ok. Alors c'est un peu éclairé. Vous voyez un petit peu. Vous arrivez à voir un peu ce qui. À plusieurs mètres. Donc là, vous commencez à avancer. Et pendant plusieurs minutes. Vous arrivez quelques minutes après, vous arrivez dans une galerie qui apparemment appartiendrait, aurait été construite à l'époque du réseau romain. J'écoute quand même voir si j'entends pas des pas, des bruits de griffes ou quoi que ce soit dans le Tu peux me faire secteur. un jet d'écouter, ouais. Et moi, je regarde si les pierres ne sont pas griffées ou des traces de reptation sur le sol, parce qu'on nous parle d'homme serpent. Alors Max, non, pour l'instant tu n'entends rien de particulier. Et alors tu as combien en toc? En toc. Novak, parce que j'ai vu Ah, que t'as fait 55, 36. pardon. Ouais. Ah non, j'ai pas tiré, moi. Non, non, Ah. excuse-moi, c'était un test d'avant-jeu, ça. D'accord. J'ai pas encore. Tu m'as pas dit de faire un toc, donc j'ai rien fait. Vas-y, tu peux. Ouais, je vois rien. Non, tu vois rien de particulier. Par contre, une fois qu'on est dans les égouts, j'ai sorti le MP38 et je l'ai monté. Oui, pareil, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais ouais, moi c'est Oui, je suppose pareil. que vous l'avez tous équipé, tous assemblés. Autant le dire, t'as raison. Bah du coup, moi voilà, je continuerai de regarder quand même tout le long du chemin si je vois des traces de pas, de reptation, je ne sais.
Surtout dans les endroits humides. Donc en tout cas, vous continuez votre marche et tu continues à observer ces traces de griffures. Vous arrivez à un moment donné, après avoir parcouru pendant plusieurs minutes et être arrivé à un certain moment dans des cul-de-sac et avoir refait marche arrière, au bout d'un moment, vous arrivez devant un accès bloqué par des éboulis. Et vous remarquez une légère petite fissure, une légère ouverture. Elle doit faire 1 cm d'épaisseur qui permettent de voir, enfin tu vois, de sentir l'air de l'autre côté. Et c'est une grille, t'as dit ? Non, c'est des éboulis. Ok. On a pris une pelle ou pas ? Il me semble que oui. Est-ce que ces éboulis semblent naturels ou est-ce que c'est un effondrement récent ? Est-ce qu'un archéologue comme Tobias pourrait nous le dire ? Ouais, il peut analyser ça. Vous poussiez un peu ? Du coup, j'en profite aussi pour regarder par l'ouverture. Tu remarques que ça correspond à des éboulements, mais pas très récents. Tu sais qu'il n'y a pas eu des explosifs récemment, que ça s'est stabilisé. C'est resté stable pendant plusieurs dizaines d'années, voire plus. On n'a pas passé une autre plaque d'égout au-dessus de nous, hein, donc on n'est pas. Il n'y a pas moyen de sortir et de repasser d'un autre côté. À cet endroit, non, il n'y a pas de plaque d'égout, mais sinon vous en avez parcouru avant d'accéder à ce niveau-là. Donc mes amis, il y a deux possibilités. Je vois quelque chose, Pointe. Tu vois pas ce qu'il y a derrière. C'est assez sombre, c'est obscur, mais en tout cas tu sens l'air. Oui, mais si j'éclaire. Tu vois que ça correspond visiblement à un autre accès. Donc deux possibilités. Soit on fait sauter le truc, soit on saute, enfin on prend une autre plaque d'égout et on saute une autre plaque d'égout, quoi. Ça, on doit avoir une pelle. C'est risqué, tout risque de tomber dessus. On peut pas. Apparemment, cet éboulement n'est pas récent. Donc, ça ne nous paraît pas à la main. On peut rien faire, non? On n'a pas des pelles type militaire, des pelles pliantes. Ouais, vous avez pu prendre ça. Vous pouvez. Qui peut servir, si la roche n'est pas trop solidifiée, oui, on peut peut-être. Ouais, si c'est déblayable, hein, bien sûr. Bah, il y en a quand même. C'est quand même assez lourd, mais vous pouvez me faire chacun un jet de constitution, ceux qui utilisent leurs pelles. Bon, raté. Raté aussi. Réussi pour moi. Raté de 1. Vous mettez 20 bonnes minutes à retirer en tout cas le minimum d'éboulis. Vous pouvez me faire Masso, tu peux. Alors Masso, toi t'avais échoué. Oui. Max aussi. D'accord. Tobias, je vais faire ton jet. Alors, tu as fait un échec. Hein. Ah, malgré ma musculature. Hors du commun. Il n'y a que Novak qui a réussi. Tu vas mettre 20 bonnes minutes en tout cas à
les autres membres du groupe ne sont pas aussi rapides que toi. Et le groupe entier, vous allez mettre 20 bonnes minutes pour les retirer. Et vous pouvez accéder derrière. Et là, c'est l'obscurité totale, mais vous êtes équipé avec des lampes torches frontales. Oui, on va les enclencher. Ouais. Oui. Donc l'accès est accessible. Vas-y. Oui, le passage qu'on a déblayé, c'est à nous juste de ramper ou on peut passer accroupi Ouais, vous passez accroupi, mais il n'est pas épais sur. Enfin, c'est l'épaisseur, c'est sur plusieurs. Sur quelques mètres. Attends, j'avais pas compris ça comme ça. Moi, je croyais qu'on avait un éboulis, mais qu'une fois l'éboulis passé, que en gros, le chemin, enfin, la voûte était de nouveau normale, quoi, en termes de hauteur, quoi. Vous avez retiré ouais, j'ai compris. Vous avez retiré, disons, la partie la plus haute, et plutôt que retirer l'ensemble, comme vous voyez, c'était assez accessible en se pliant un petit peu, en se foutant un peu. Voilà, sur quelques mètres, vous pouvez accéder de l'autre côté. Donc on est sur un passage de même hauteur que précédemment. À l'issue, enfin à le... Non, sur la zone où tu passes. Ouais, une fois sorti, ouais. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais, c'est toujours un accès accessible. Et sauf que la différence, c'est que ça paraît beaucoup plus ancien. Et auparavant, dans les tunnels, vous aviez l'impression, enfin, c'était construit par la main de l'homme. Là, ça reste vraiment quasiment du naturel. Et ce que vous ressentez, c'est que l'air du tunnel est assez chaud et légèrement humide et imprégné d'une étrange odeur de moisi. Ok, donc on risque d'avoir de comment on appelle ça là, du salpêtre là, enfin des odeurs de soufre, non? Ouais, un peu comme des œufs pourris, ça, ouais. C'est le soufre. Un peu ça, ouais. Vous continuez, je suppose, à vous enfoncer. Vous prenez des précautions particulières. Oui. Bon, vous avez... Moi, c'est ce que j'allais dire. Je vais me mettre un morceau de tissu sur le nez, quoi. Pareil. Je suis le mouvement. Ouais, on n'avait pas pris des masques, bien sûr. Non, pas de masque à gaz. Bon, quelque part, sinon, ce que j'avais pas précisé, c'est je pense que j'ai pris. Comme je sais que les ouvriers font des fouilles, je pense que j'ai pris l'essentiel de ce qu'un archéologue prend pour un chantier. Enfin. C'est qu'il y a comme outil sur un chantier de fouilles, quoi. Ok. Tobias, est-ce que ça vous parle, ce genre de galerie? Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous avons connu jusqu'alors. Alors, est-ce que... C'est des galeries qui datent de la Rome antique ou est-ce que ça aurait pu être creusé par des créatures aliens? En tout cas, bien avant, ouais. Bien avant la Rome antique, ouais. Ah, carrément. Ah bah, nous sommes là, du coup... Tu veux dire que Rome a été construite après? Oui, oui. Le réseau des égouts romains ont été construits après. Ouais. Ancienne, oui. Oh, ouais. Ah mais c'est merveilleux ça. Donc avant le 8e siècle, avant Jésus-Christ. Je suis tout ému d'expliquer ça aux autres. Microphone muted. Microphone activated. Est-ce que dans la galerie, quand on parle, ça a tendance à résonner ou c'est plutôt étouffé? Non, c'est étouffé. Ah, puis, je pense qu'on parle pas très fort non plus. Donc non. Pas de lumière, ça veut dire qu'il y a peu de communication, d'où l'odeur soufrée, j'imagine.
Donc, je vous signale quand même que le soufre, c'est un peu irritant. Donc, voilà, vos précautions, comme vous avez tous suivi le mouvement, c'est bon avec votre nez. Vous avancez? Ah bah oui, bien sûr, on continue. Ouais. Donc, oui. Novak, tu peux me faire voir. Oui, Masso? Ouais, c'est plutôt... Non, c'est Max. Plutôt prudemment. Moi, je regarde... Enfin, je continue à écouter, voir si j'entends des bruits. Et je regarde le sol, voir s'il y a des traces de pas autres que les nôtres. Ouais, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai dit tout le long du chemin, je regarde ça. J'ai toujours un œil sur le... sur les traces. Là, vous en voyez en effet, ouais. Vous avez vraiment des empreintes qui apparaissent, qui ressemblent à des pieds terriblement griffus. Et plus vous vous enfoncez, plus vous avez l'impression de... Enfin, plus vous descendez, et plus l'air se fait épais et lourd. Et les tunnels changent également de nature, passant de parois beaucoup plus larges et beaucoup plus irrégulières. Est-ce que je peux pister pour voir où les pieds griffus s'enfoncent, dans quelle direction? Est-ce que c'est toujours linéaire ou est-ce qu'il y a des parfois des Non, bifurcations? c'est interrompu. Il y a des bonnes interruptions. Tu peux pas suivre une piste en tout cas. Tu vois juste quelques empreintes, quelques traces, et après D'accord. c'est effacé peut-être avec le temps. Ok. Mais ça ne paraît pas être des traces récentes. En avançant par la suite, vous pouvez me faire un jet de toc. Je vais le faire pour toi, Tobias. Super succès pour moi. Échec. Alors Novak, toi tu repères quelque chose et Tobias les repère aussi. Tu vois d'étranges gravures visiblement anciennes qui apparaissent sur les parois. Et Tobias, quand tu les vois aussi, quand tu les observes, tu vois que ça correspond au symbole atlante que tu as pu observer dans les notes du docteur Elrichmann. À quoi cela Je correspond? partage. Vous voyez aussi d'étranges pétroglyphes, c'est des marques dans la roche, qui ressemblent à d'autres, à ceux qu'on peut trouver sur d'autres sites préhistoriques dans le monde. Avec cependant C'est quelque quoi alors chose des pétroglyphes? pétroglyphe. Des glyphes sur la pierre, enfin des écritures D'accord. sur la pierre ou des dessins rupestres. C'est un peu ce qu'on retrouve un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, avec des scènes de chasse notamment, par exemple. Est-ce que j'allais dire plutôt des dessins type Lascaux ou plutôt Oui, des plutôt dans style écritures? Lascaux. Plutôt style D'accord. Lascaux. Mais avec des choses étrangement dérangeantes. Au fait, vous voyez, en fait, vous voyez à un moment donné, entre ces différents dessins, une créature, une sorte à tête de serpent, avec un bras enfoncé dans un visage, dans une bouche. Comme un Dans une serpent qui mange bouche humaine. un mammifère, c'est ça? Qui Non, ouvre la c'est gueule bien grand, non? en fait, t'as le serpent, t'as l'homme serpent qui a son bras enfoncé dans une tête et le bras rentre dans la bouche. Ah ok, c'est son bras lui, ok. Et les humains ont l'air d'être genre des de vouloir manger les serpents Non, c'est le ou contraire. genre Non, c'est comme juste la des... tête. C'est juste la tête un peu, et en regardant de plus près, ça, c'est assez similaire à la Bocca della Verità, ce site justement que vous aviez retrouvé l'un des messages de Lucrezia.
Vous étiez arrivé devant une statue, une tête, où les gens mettent les mains à l'intérieur pour éventuellement exaucer, se faire exaucer des vœux. Donc déjà, Est-ce qu'ils vont leur prendre leur cerveau ou... Vous avez déjà vu ça quelque part, Tobias? Bah oui, la bouche de la vérité. Ça me fait vraiment penser cette. Mais alors, est-ce que du coup, je reconnais la tête, elle est toute seule, il n'y a pas de corps en dessous, et ça Ouais, elle pourrait est être toute la seule. tête. Ouais, Ouais, c'est et assez elle est similaire. large, tout ça, enfin ronde. C'est Elle est très ronde aussi, similaire, oui. d'accord. Bah, donc, je montre bien les ressemblances. Je les décris à mes compagnons. Mais je vois pas bien. Je sais quoi de nouveau sur la bouche de la vérité? Ce que tu sais, c'est qu'à l'époque, enfin à Rome, c'est juste, juste un symbole, une statue, dans lequel les gens mettent la main à l'intérieur pour se faire exaucer leurs vœux. Et c'est très touristique. Oui. Bah sûrement qu'à l'origine, que cette légende trouve son origine dans un rite bien ancien comme celui que nous voyons sur cette fresque. Arriver à comprendre. Mais tu vois pas Ou, de enfin. correspondance avec un homme serpent qui met son bras dedans. Il y a des écritures ou en dehors de ces dessins? Ou quelque chose qui s'apparenterait à des écritures? Tu vois juste des écritures atlantes. En tout cas, Tobias, tu les reconnais. Est-ce qu'avec le journal de Richman, on serait à même de, en les étudiant, de les, je sais pas, traduire entre guillemets? Là, il vous faudrait du temps. Du coup. Il vous faudrait du temps, en tout cas, pour essayer, sans savoir si vous allez y parvenir, pour essayer de faire la correspondance. Et si on regarde la redondance, enfin, est-ce qu'il y a des symboles qui sont redondants et qui pourraient bah, justement avoir une. Enfin, peut-être plus facile à traduire, quoi. Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas assez de temps pour traduire l'ensemble de des écritures, mais peut-être, tu sais, en regardant la redondance des mots et les Ouais, récurrences. comme un décryptage, hein, d'un message codé. Ouais. Mazo, je On a sais que pris de lui, il est quoi spécialiste. photographier? Un concept récurrent. Pouvez photographier éventuellement. Mais l'image, bon, va pas être Bah de oui. très 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 top. T'es dans Non, le mais ça noir, hein. sera Les déjà flashs, ça. c'est pas terrible à l'époque, hein. Alors, ouais, juste en aparté, Tobias, par rapport à la Bocca della Verità, en fait, tu sais que personne ne sait à qui appartient cet étrange visage, et ou ce qu'est réellement ce masque. Tu sais que c'est une sculpture à la base très ancienne, et certains disent qu'il s'agirait d'océans à cause des pinces de crabe qui sont situées autour de sa tête. Aussi de sa barbe. Donc on sait Ah, pas trop d'où ça vient. Il y en a d'autres aussi ça qui pourrait pensent. être un T'avais pas dit truc un esprit atlante. du Tibre, un truc comme ça, non? Oui, il y en a d'autres qui pensent en fait que ça pourrait aussi être Tiberinus, l'esprit du Tibre, qui sauva Romulus et Rémus. Mais rien de certain. Et par rapport à ce que l'histoire raconte, c'est que en fait, toute personne qui placerait sa main dans la bouche et racontant un mensonge verrait sa main dévorée en représailles. D'où le nom la Bocca della Verità. Et les touristes en fait s'amusent actuellement pour se faire un peu peur
à mettre la main dans cette bouche. Et à dire des mensonges, bien sûr. Oui. Le doux frisson de la transgression. Est-ce que, à part ces glyphes et ces dessins et ces écritures, est-ce qu'il y a des objets au sol, je ne sais pas, type des bougies ou des... Non, des par contre, objets. tu vois une sorte de liquide assez récent, quoi, de couleur sombre sur la roche. Je peux essayer de l'analyser, de le sentir, de le... je sais pas. Peut-être pas trop d'y toucher, enfin de prendre un couteau pour voir, histoire que ce soit pas un acide. Ça pourrait, la consistance, en tout cas, ça pourrait s'apparenter à du sang. D'accord. Je demande à Tobias si ça ne pourrait pas être un endroit sacrificiel ou... On dit quoi ? Eh bien, oh. Alors, soit si c'est sacrificiel, soit c'est quelqu'un qui s'est blessé ici. Tobias, nous pourrions peut-être prendre quelques photos des inscriptions et les analyser plus tard. Oui, c'est ça, mais c'est qui a un appareil photo, parce que c'est pas Tobias. Mazo, tu as ramené un appareil photo avec toi ? Ah non, j'ai pas pensé à prendre un appareil photo. Non, désolé. Alors, si quelqu'un sait faire des photos, peut-être que Tobias l'avait suggéré avant, étant donné qu'on allait sur un chantier de fouilles. Hein. Ouais, je sais pas s'il y a des experts en photographie. Mais sinon, Je peux pas vérifier. Mais on peut imaginer que vous auriez pris un Kodak, enfin un truc déjà qui était déjà performant pour l'époque. Bon, même si la qualité n'est pas top, tu pourrais au moins avoir déjà au moins les symboles qui pourraient ressortir. Oui. Je vous mettais la lumière derrière. Parce qu'on est quand même espion et archéologue, ça me paraît effectivement pas déconnant qu'on ait pris de quoi prendre des photos. Après, au pire, tu peux aussi noter sur ton calepin si au cas où les photos ne seraient pas terribles. Ah ben, je fais ça en double, oui. Vous pouvez me faire un jet d'écouter. Alors, Tobias, tu as... Je n'entends rien. Tu as 39 et tu fais 24. Donc Masso, tu as réussi. Max aussi. Oui. Yak Novak n'a pas réussi. Tous les trois, vous entendez des étranges, de bruits un peu comme des gratte grignotant quelque chose. Chut, taisez-vous. Ça vient d'où ? Le bruit a l'air de se rapprocher. Ça vient pas en tout cas de derrière vous, de là où vous êtes arrivé, mais c'est beaucoup plus en profondeur. Si vous poursuiviez votre chemin. Bah, en tout cas, il faut avancer l'arme à la main, les amis. En avançant, vous, Novak, tu sens marcher sur quelque chose. En tout cas, tu trébuches sur quelque chose. Ah, je vais regarder sur quoi j'ai marché. Tu vois une sorte de
sorte de bras qui est sectionné au-dessus du coude. Et en regardant de plus près, tu vois que c'est au niveau de la peau, c'est la même texture qu'un reptile. Regardez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce bras n'est pas humain. Ça n'a pas l'air. Hein. Ça doit Il a l'air appartenir à frais? ces fameux hommes serpents. Ouais, plutôt frais, ouais. Je crois qu'on ferait bien de se méfier. On n'est pas loin de. On doit pas être loin. Il y a bien une main au bout, c'est bien un bras, c'est que genre lézard. Ouais, un bras, mais avec une peau de reptile. Et est-ce que il y aurait pas des peaux, parce que j'imagine que j'ai quand même la connaissance qu'un reptile ça mue. Est-ce que on n'a pas trouvé trace de peau de. Non, là, t'as pas vu de couche, d'autres couches de peau. Ok, bah du coup je vais être vigilant sur ce point-là lorsque je vais poursuivre ma route. Bah, je trouve ça un peu répugnant, je mets ça plutôt à l'étude de Tobias, s'il est capable d'en dire quelque chose, mais. Je suis pas médecin. En tout cas, vous remarquez tous que c'est voilà, qu'il est assez récent. La coupure a été l'amputation a été récente. Une amputation Est-ce que ça dans pourrait pas être être... Amputation au en couteau. rapport avec le sang qu'on a vu avant ou il y a beaucoup de sang ici aussi? Il y a, en regardant de plus près, ouais, tu vois pas mal de sang. Frais. Et le sang semble être de la même couleur qu'un être humain, plutôt rouge foncé ou. Alors là, ça vire en fait beaucoup plus la couleur sombre noire. Même en mettant Est-ce la que la. lumière Et devant. l'épaisseur, excuse-moi Ardé. Oui, tu dis au niveau de l'épaisseur? Ouais, Même la consistante? fluidité, c'est comment? C'est aussi fluide, c'est plus épais, c'est. Tu mets ton doigt dedans et tu vois que c'est assez fluide encore. Mais tu saurais pas dire si c'est plus ou moins fluide par rapport à un humain. La coupure, elle est nette ou il s'est surpris à plusieurs fois pour trancher le bras? Elle est nette, un peu comme une guillotine. C'est vraiment exactement pareil. C'est pas comme la hache qui a guillotiné Mary Stuart. C'est vraiment en un coup, sec. Est-ce qu'il pourrait avoir mis la main dans la bocca del Verita? Ah oui, pourquoi pas. Selon les dessins, oui. Et vous pensez que sa main a repoussé, un peu comme un lézard? Alors on le saura seulement si on retrouve le reste du corps. Ou ses amis? En tout cas, si ça repousse, ça repousserait assez vite. Le sang a l'air d'être plutôt frais. Et les lézards, c'est la queue qui repousse, mais pas les pattes. Oui, bon, on sait jamais. Je ne sais pas quoi j'ai à faire actuellement, donc bizarre là, je ne sais pas pourquoi. Parmi les traces de griffes qu'on a vues, est-ce qu'on a vu enfin, plusieurs paires de pas ou. Non, juste une paire de pas. Ok, donc on a un individu peut-être blessé et qui peut-être est une chance pour nous d'ailleurs, s'il est bien seul. Par contre, faites attention au bruit, ces créatures entendent peut-être mieux que nous. En parlant de bruit, vous sentez que les murmures s'intensifient avec des Oui. grattements ou des crissements devant vous, derrière, au-dessus, sur le côté, partout. Des rats. Ça y ressemble. Même le murmure? Ça, par contre. Au niveau des grattements et des crissements, oui, ça pas entré au rat. Au niveau des murmures,
Non, ça paraît quelque chose de beaucoup plus massif. On pensait Et à vous en couler. plus, on Oui, a vu pardon. des traces de griffes en venant. Donc, Serra, c'est peut-être les griffes de ces drôles d'hommes lézards qui seraient griffus. Serpent. Pensez à vous couvrir si jamais une nuée de rats venait à surgir parmi nous. Essayez de protéger toutes les parties de vos corps, Oh, de il en votre faudrait corps. beaucoup pour qu'ils puissent nous blesser, mais je m'inquiète beaucoup plus de ces choses serpents plutôt que de rats, mais. Continuons d'avancer. Continue à avancer et toi, Maximilien, tu as vraiment l'impression d'être suivi. Certainement. Tu entends donc un bruit derrière toi, bien plus fort et précis qu'auparavant. Et en te retournant, tu vois une créature hideuse qui possède d'ailleurs un unique bras griffu qui est juste derrière toi. Et qui bondit sur toi. J'ai le temps d'ouvrir le feu ou pas? Il va d'abord te faire le premier coup. Ok. Du moins, il va essayer. Il est en train de bondir sur toi. Tu as le temps, en tout cas, de, comme tu avais ton arme à la main, de tirer à ton tour. Si. Si rate. Voilà, on va faire le jeu en même temps. Et à En tout suite de cas, quoi, je crierai, baissez-vous! je fais le jet. Tu arrives en tout cas à lui tirer dessus directement. Donc alors tu as 50, c'est-à-dire que tu lui fais 5 coups. Tu peux le toucher 3 fois. Donc au niveau des règles, tu vas cliquer 3 fois sur un des 10. Ça fait 22. Alors, je te laisse me décrire comment tu le tues. Parce que de toute façon, j'ai pas le temps de réfléchir, hein. Je vois qu'il bondit sur moi et je fais feu pleine poitrine sans trop réfléchir. Une rafale de 5 balles. Il est projeté en arrière et il reste inerte au sol. Mon Dieu, Oh c'est la dégueu. créature qui est. Merde. Qui était blessé. En Max, ça va? voyant l'homme reptile, ça me fait quelque chose ou pas? Oui. Psychologiquement. Oui. Ouais, tu finis de m'en parler. Vous allez tous pouvoir me faire un jet de santé mentale. Alors, Tobias, tu as 80. Oh la vache, je loupe de 1 moi. Donc vous avez tous réussi, sauf Novak. Tu vas perdre 6 points de santé mentale, Novak. La vache. Quant J'ai une aux autres, vous séquelle là, non? perdez, un point de santé mentale. Ben ça, j'ai rejeté, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, ça c'est mieux. Ça fait pas une séquelle, ça, 6 points? Non, c'est par rapport au pourcentage. Un pourcentage de points par rapport à la quantité. Je crois que c'est si tu perds plus de Ah, je 25%, pensais il me aussi semble. que
Ah non, c'est 20%, c'est un Moi, je cinquième, pensais oui. aussi si tu perds 5 points ou plus. Mais ça, c'était la V7, la V6, alors. Oui, la V7, je crois que c'est un cinquième, je crois. Effectivement, c'est 20%. Ouais, je vais te dire. Ça rend Je fou ces vérifie. règles C'est un qui cinquième changent. dans les 6 heures ou je sais plus quoi, il y a un temps aussi. Des règles non euclidiennes. En tout cas, vous êtes devant cette créature. Tu, Novak, tu ressens juste un mal-être. Tu es pris par. Tu es complètement rempli de sueur. Tu n'avais jamais réagi comme ça auparavant. Tu arrives quand même cependant à avoir le contrôle de toi. Et le tunnel, il était comment? On avait vu une bifurcation ou pas sur le trajet? Ouais, vous aviez vu une bifurcation, ouais, tout à fait. Et du La coup, pardon, la créature, elle est habillée ou elle était nue? ce que j'allais elle dire, moi je est, l'ausculte. elle est, elle est nue. Moi je la regarde, hein, je vais voir si c'est bien celle qui correspond avec le bras amputé. Tu vois que son bras, en tout cas, n'a pas été amputé récemment. Ça s'est cicatrisé. Mais ça correspond bien au bras qu'on a vu. Non, pas vraiment. C'est au niveau de l'espèce, oui. Mais au niveau de la morphologie, non, ça diffère légèrement. C'est pas non plus grossier, C'est pas le mais bon. ça correspond à l'espèce, mais pas à l'individu. Bah, de toute façon, il a deux bras, donc. En tout cas, côté discrétion, maintenant, ils doivent savoir où on est. Est-ce que par rapport à ses yeux, Voilà. on peut imaginer s'ils arrivent à voir dans le noir? Est-ce que j'imagine qu'ils ont des pupilles dilatées ou... Quelqu'un qui aurait une compétence médecine pourrait éventuellement le dire. Moi, je vais tenter, hein. Non, pas du tout. Tobias. Peut-être. Je suis plutôt dans la boucherie que dans la médecine. Remarque, si tu reconnais les morceaux. C'est ça. Un morceau de filière. En tout cas, tu sais pas trop quoi en juger. En tout cas, quand tu fais des tests pour focaliser ta lampe dans sa rétine, tu sais pas trop quoi en penser. Il est mort, alors on voit plus rien. Veux dire, ça doit plus bouger beaucoup ses yeux là, s'il est mort. Ben, si je peux rien tirer de la créature, est-ce que je peux voir aussi sa dentition? Je sais pas, voir qu'il est capable de nous infliger. Ouais, il est capable de s'en servir comme une arme. Connais ton ennemi. Vous avez vu avec quelle rapidité il s'est déplacé? Surtout que je l'ai entendu venir sur moi au dernier moment. Ils sont très silencieux. Ils sont silencieux, extrêmement rapides. Par contre, il faudrait savoir où ils ont perdu leurs bras. Et surtout pourquoi? Ils doivent vouloir accéder au bouclier, je pense. Étant que. Tu penses que le bouclier pourrait être dans le trou, dans cette bouche, dans une bouche? C'est possible. Un peu comme la Bocca della Verità. Et apparemment, ils ne leur ont pas dit toute la vérité à cette tête. Ou alors. Le fait qu'ils soient d'une espèce ennemie aux êtres pour avoir fait en sorte que leurs bras soient tranchés immédiatement. C'est vrai ça d'ailleurs. Est-ce que le bras qu'on avait trouvé, il
Mais c'est genre plutôt par une lame, de façon nette, ou plutôt comme s'il Ouais. avait été mordu Très Non, net, il avait plutôt dit. net, hein. Très net, hein, comme une guillotine. Limite précision chirurgicale, quoi. Ah, du coup, il nous Écoute-toi, faut j'ai peut-être jeté un trouver œil à une cette scène, bouche. hein. Pardon, Pete. On peut peut-être jeter un œil avec nos lampes, essayer de voir ce qui est peut-être ce qu'il y a à l'intérieur, ou y passer une de nos petites pelles pour voir si essayer de voir un peu ce qu'il y a dans la bouche. Tu penses qu'on trouverait pas. Avant d'y passer le bras, je veux dire. Et du coup, je vais regarder les roches, ouais, si on peut pas trouver une stèle avec une tête. Non, vous voyez pas de d'équivalent à ce que vous aviez vu à Rome, à savoir une statue, le visage, voilà, une stèle de l'Avocat de la Verita. Vous regardez un petit moment, vous n'observez rien. Continuons, mais restons sur nos gardes. Mais c'est clair. De toute façon, maintenant, on a dû nous entendre avec les coups de feu qui ont été tirés. Pense qu'ils nous Ça ont déjà repérés depuis longtemps. entendez les mêmes doit bruits que moi résonner d'ailleurs? dans ce genre de couloir. Dans Ne le perdons couloir, pas de temps. vous arrivez et à un moment donné, vous voyez que au bout du couloir, il y a une salle qui paraît d'être beaucoup plus grande, volumineuse. Bon, continuons, du coup je reprends la tête et je poursuis mon Regardons chemin, bien, mais avant de je rentrer dans regarde la bien salle, en on l'air et sur regarde les bien. côtés, ouais. Et derrière Ok. aussi. Maximilien, ça va? Ça va Vous très continuez de bien. fermer la marche, faites attention derrière vous. J'ai été surpris. Je ferai plus attention la prochaine fois. Dans le tunnel, vous pouvez y accéder deux par deux. Novak, je sais que tu étais le premier. Masso, tu peux être le second sur la droite, par exemple. Et Max et Tobias derrière. Oui. Et en arrivant, vous voyez quatre créatures prêtes à bondir sur vous. Et je vais vous C'est quoi partager ce tout ça. pluriel? C'est combien? Quatre. Et je vais Ah vous oui, quand partager même. ça. Voilà, je vais Moi, juste faire. dès que j'en vois une, je tire. D'office, j'ai la main sur la mitraillette depuis le Alors début. tous les deux, en De effet, toute vous pouvez façon, tirer on... directement, ouais. Vous pouvez tirer directement tous les deux. Pour Tobias et Max, ce sera un peu plus difficile. Sinon, il y a un risque de vous buter, forcément. Moi, je suis au milieu, donc ce qu'il y a, c'est que je suis plutôt prêt à dégainer ma canne épée s'il y en a qui arrivent jusqu'à nous. D'accord. Et moi, effectivement, mon entraînement militaire fait que j'aurais tendance à tirer assez rapidement aussi. Sur toute chose suspecte. Voilà, je vais vous Logique, c'est pour ça partager. qu'on t'a fait venir. Vous partager tout ça. Moi, j'aurais tendance à dire Novak, à genoux. Comme ça, tu te mets à genoux et moi, je peux en profiter pour tirer par-dessus ton épaule. Ouais. Vas-y. Je sais pas si vous voyez donc. Oui. L'écran, vous voyez un peu comment ça se configure une fois que vous arrivez. Novak, c'est à toi d'agir. On peut bouger ou. Bah tu peux bouger, en tout cas les quatre créatures arrivent sur vous, foncent droit sur vous. Ah, en tout cas, je vais tirer sur la première, c'est-à-dire celle de gauche, la plus proche Alors, de moi, quoi. au niveau manip, ce que tu vas faire, c'est dans ta fiche de perso, tu vas prendre la compétence de l'arme. Donc 65, tu as de ton MP38 par exemple. Tu vas Ok. maintenir appuyé sur le clic gauche et déplacer les dés sur la cible. Et tu arrives à le toucher de 3 balles. Tu peux lancer 3 dés de 10. Alors, 3 des 10.
Attends, excuse-moi. Ça fera 20. Tu arrives à le buter, à le transpercer de balles. Le sang gicle sur toi. Il s'apprêtait à bondir, en tout cas, tu l'as touché juste avant. Oui, là, c'est l'adrénaline. Hein. J'ai tiré sans même réfléchir. Ils ont une vitesse très supérieure à celle d'un humain normal. Ouais. Et là, ce sera un Masso d'agir. Oui. Il fonce sur toi d'une rapidité. Tu n'as pas le temps d'agir. Il s'apprête à te porter un coup. Raté. Il va te porter un coup de griffe. Il te touche. Tu vas perdre 6 points de vie. Il t'arrache en tout cas au niveau du torse. Mais alors du coup, pour info, parce que moi je vois que je n'ai plus que 7 points de vie, je sais pas si c'est normal ou pas d'en être là, mais alors du coup ça me ferait 1. Non, c'est pas normal. Normalement tu avais 13 points de vie. D'accord, je vais remettre à 13. Enfin, 13 ouais. Moins... Ben, c'est bon. Alors. 13 moins 6, ça fait 7. Je ne dois toucher à rien. Il te projette en tout cas vers au pied de Novak. Tobias, tu peux agir, je sais que t'avais ta canne épée. Bah s'il y en a à ma portée, j'essaye de le percer quoi, hein, avec okay. Mon épée. Okay. De préférence près de ce que j'imagine être le cœur. Tu as 5 ans, donc je lance, tu fais 12. Ah, c'est bien, je suis fort. Ce sont les dégâts qui comptent. Tu lui fais une blessure très très grave, tombe au sol. Et Maximilien, maintenant tu peux agir. Ben moi je vais devoir me déplacer pour pouvoir faire feu. Je peux me dépasser de combien de cases et tirer en même temps? Est-ce que c'est possible déjà? Oui, tu peux, mais si tu tires en même temps, tu auras un des malus. Parce que j'ai Novak quasiment à bout portant. J'ai Novak qui est juste devant moi. Je vais me positionner là et puis. Là, je prépare mon tir pour la prochaine créature qui passe. Vas-y. Au niveau distance de case, tu peux faire 8. Tu peux te déplacer de 8 cases. Je vais rester là. Je vais attendre que la créature approche. Je préfère rester, attendre, prendre mon temps pour viser et puis tirer quand elle sera plus proche. D'accord. Moi, je vais prendre la main. T'oblige pas. La seule main que j'ai. Elle se déplace très rapidement, en tout cas. Et elle arrive à ton niveau, Maximilien. Pour te porter un coup. Okay. Tu auras la possibilité de l'esquiver.
Ok. Et c'est loupé. L'autre créature. Elle arrive juste devant Tobias et au prochain coup te portera un coup. Vous pouvez agir, messieurs. Alors moi, réflexe, tout de suite, je tire sur celle qui est devant Maximilien. Vas-y. Donc tu l'as touché. Et tu la 18. tues instantanément. Je te laisse me décrire éventuellement la manière dont tu la tues. Ah ouais, bah je lui tire dessus en pleine poire et je suis presque prêt à lui donner un coup de crosse par-dessus tellement l'adrénaline monte. On voit les créatures se rapprocher, quoi. Alors qu'elle est déjà morte, en effet, ouais, tu lui portes un gros coup de crosse et tu continues à te défouler sur elle. C'est ça. On va passer maintenant à. On va passer à. On va dire Masso. Oui, j'ai toujours la possibilité de tirer à la mitraillette. Ouais. Tu peux. Alors, celui qui s'appelle numéro 4, il est à terre, il est inconscient. En revanche, celui qui est derrière Tobias Ah oui, non, 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 te. ok. Par contre, tu peux Non, non, bouger. Et ensuite tirer oui, voilà, c'est ce éventuellement que je vais contourner. faire. Ouais, là tu peux tirer. Voilà, je peux tirer aussi. D'accord. Ouais. Comme il était focalisé, si tu veux, pour attaquer Tobias et que tu arrives par derrière, ça va. Mais c'est encore raté. Je ne fais Étant quasiment donné que que deux tu es échecs sur le aujourd'hui. mouvement, oui, c'est raté. Et du coup. Oui, je le Alors je vous laisse à chaque fois en retirer les nombres de balles dans vos fiches de Ah oui, perso. c'est bon. Tobias, c'est à toi. Donc t'en as un qui est juste en face de toi, qui est à terre, inconscient, et t'en as eu un qui est arrivé à ton niveau, prêt à te porter un coup. Il va D'accord, essayer de bondir. j'essaye de. Ouais, j'ai le temps de faire quelque chose avant qu'il soit sur moi ou Ah c'est à oui, tu as le temps, lui de le ouais. faire? Non, non, c'est à toi. Ouais, eh bien, écoute, du coup, je porte mon attention sur lui et j'essaye de l'atteindre avec mon épée toujours parce que j'ai pas le temps de changer d'arme. Ok. Non, tu n'arrives pas à le toucher. On va passer à C'est Novak. moche. Non, pas Novak, Maximilien, pas. Ben Max, il va se déplacer ici et il va tirer sur celui-là. Je peux tirer qu'une seule balle? Non, ça dépend de ce que tu utilises comme arme, mais un MP38, non, tu peux utiliser. Ah oui, tu C'est-à-dire peux que utiliser une balle, tu peux utiliser une balle si tu veux. T'es pas pour obligé d'en essayer d'être utiliser 5 ou 4. un peu plus précis et surtout pour éviter de toucher Tobias. Alors par défaut, ouais, je considère que c'est 10% de votre caractéristique, le nombre de balles, mais si vous me dites que vous voulez utiliser une balle, deux balles, trois balles, vous pouvez, hein. D'accord, j'utilise qu'une seule balle. Et j'ai bien fait. Bah, visiblement, ton arme est défectueuse en un court instant, mais elle a l'air de refonctionner. Tu sais pas ce qui s'est passé, peut-être que ton doigt a glissé, tu sais pas. Une erreur de manipulation. Alors maintenant c'est à la créature d'attaquer Tobias. Elle est en face de toi, Tobias, t'avais essayé de porter ton précédent coup avec ta canne épée sans succès.
Et elle te loupe aussi. Et on va passer maintenant à Novak. Donc la créature numéro 4 toujours à terre. Et il n'y a que la créature numéro 3 qui est debout. Ok. Est-ce que je peux passer par-dessus comme ça et tirer sur la 3? Ouais. Vas-y, mais te loupe pas. Non, tu n'arrives pas à trouver le moment, en tout cas, pour enchaîner et, le coup. Disons, tu mets beaucoup trop de temps à te mouvoir avec cet obstacle. Ça m'a désorienté, ouais. Donc, tu n'as pas le temps de tirer, si ce n'est éventuellement un ou deux tirs, mais sans succès. Donc là, Masso, ça va être à toi. Donc, tout comme Maximilien, je vais tirer une seule balle pour viser un peu, tu vois, pour pas tirer une rafale et moins risquer de toucher. Ouais, là, donc là, tu as énormément de chances de le toucher. Disons que là, tu vas le toucher, étant donné que tu es stabilisé, tu as pris le temps de te positionner. En gros, si tu fais au-dessus de. D'un échec, en gros, si tu fais un échec d'enrayement, si l'arme fonctionne pas, ça ne pourra pas marcher, sinon la réussite sera totale. Donc c'est vraiment un jet de dé pour la forme. Donc là, tu arrives à le décharger un nombre de balles maximal, on peut dire. Et tu peux lancer 3 dés de 10. Alors je sais qu'il y avait un précédent joueur qui avait des problèmes aussi. Donc si ça marche pas pour toi, je peux le faire à ta place. Hein. Oui, fais-le à ma place parce que je comprends pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Bon là tu le tues, hein, direct. Je te laisse me rebond, tu arrives à prendre par surprise derrière lui et à lui exploser tes quelques balles au niveau de sa tête. Il ne reste plus grand chose d'ailleurs. Il reste maintenant devant vous en fait cet homme serpent à terre qui avait été transpercé par la canne épée de Tobias. Je vous laisse me dire ce que vous faites, et sinon, si vous... Alors, celui qui va avancer le premier, ce sera Novak. Alors, moi, j'ai très envie de l'attacher, et je sais pas, c'est de tenter une communication, si communication c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, il est inconscient. Comme j'ai de la corde, je sais pas, enfin, je regarde mes camarades, mais moi j'ai très envie de, dans un esprit un peu militaire et de connaître les points faibles de mes ennemis, j'aurais tendance à tenter, même si je sais que c'est un serpent, la même technique, c'est-à-dire un interrogatoire, quoi. Ben, attache-le déjà, puis on verra si on parvient à le ranimer. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit, de l'attacher, puis de l'interroger. Ok, donc tu l'attaches, mais bon, en tout cas, il est toujours en train d'agoniser. Après, je lui donne des claques. Hein. Max regarde, il laisse ferme. Novak, faites vite. On n'a pas de temps à perdre. Hey, mais cette chose ne se réveille pas.
Je continue de foutre des claques. Réveille-toi. Vous l'interrogez rapidement. Tranquille. Il commence à reprendre son souffle. Il vérifie bien les nœuds à deux fois. Il te regarde droit dans les yeux. J'ai peut-être oublié de préciser, mais je vais peut-être lui boucher, enfin, ouais, essayer de faire en sorte que ça, s'il a une langue ou je ne sais quoi, puisse pas m'attendre. Tu procèdes comment pour lui découper ou faire autre chose hein? Ah ben, je vais pas lui découper parce que je voudrais quand même le laisser parler, mais je sais pas, est-ce qu'on peut faire une sorte de muselière, enfin avec une corde sur la tronche Tu peux essayer de me faire un jet de dextérité. Tu arrives en tout cas à éviter sa morsure qui aurait pu arracher tes quelques doigts. Tu arrives à mettre à fixer la corde au fond de sa gueule et à le stabiliser étant donné qu'il est très très faible, affaibli. Bien, maintenant dis-nous qui tu es. Tu ne comprends pas ce qu'il dit exactement. Clipeus. Tu sens juste une respiration. Le Clipeus, il est où? Tu en continues à entendre ses respirations. Mais il répond pas, il n'a pas l'air de réagir. Il articule aucun mot. Non, il ne répond pas. Et j'en comprends rien. Est-ce que dans ses yeux, je vois une incompréhension ou... juste la haine, ou est-ce que je vois le désir vraiment de ne pas répondre? Tu... pas forcément de la haine, tu peux me faire un jet de psychologie. Oula. Tu vois surtout non, quelqu'un en face de toi en train de mourir, quoi, qui est en train de... qui a envie de mourir en paix, je pense. Bon, bah je lui tire une balle dans la tête. Les autres, vous pouvez éventuellement me faire un jet de psychologie. Je vais le faire pour toi, Tobias. Cette, ouais, chose cette chose préfère mourir. Moi, ouais, j'ai envie de lui montrer mon bras. Enfin, je lui montre le bras. Tobias, soit en tout cas, tu vois une. Tu as limite un peu de la. Tu vois une larme. Tu le sens un peu comme une victime en fait, dans l'expression de son visage. Pas quelqu'un qui a envie forcément de mourir en héros. Vous voyez bien qu'il a honte de sa défaite, cette créature a honte. Mais peut-être qu'il comprend rien à ce que nous lui disons. Oui, eh bien nous n'avons pas le temps, je n'ai pas de dictionnaire. Vous lui en moi. Avez... Vous lui avez parlé en quelle langue? Vous plaisantez, j'espère. Non, je pose vraiment la question. C'était en italien ou en allemand? Bah non, en anglais. Moi, je l'interroge en allemand, voir si... Mais je lui parle doucement, je lui demande s'il comprend l'allemand. Non, en tout cas, il ne réagit pas plus que ça. Il ne comprend absolument rien à ce que tu dis. C'est pas une question de langue. Non. Moi, je pense que nous devions l'emmener avec nous, parce que... je préférais ne pas l'achever. Je trouve que et si nous pas... lui coupions un bras, pour voir s'il repousse? Alors, il a déjà un bras coupé. Non, mais... comme les autres, petite précision. Alors, je m'y oppose fermement. J'ai oublié de vous le préciser, mais l'ensemble des hommes serpents qui vous ont attaqué avaient tous un bras coupé. Et cicatrisé. J'essaye de communiquer avec. Je lui montre le bras. Je montre mon bras, enfin le bras... Faites attention à sa morsure. Vous voyez bien qu'il peut être encore dangereux. Il serait capable de vous transmettre un venin. Au moment où il voit ce bras, il a une sorte d'expression de visage qui change.
comme si il s'apprêtait à... comme s'il se sentait en paix. Quand il voit le bras, c'est ça ? Ouais, oui. Mazo, est-ce que vous pourriez essayer de communiquer avec lui ? Peut-être qu'il comprend l'italien. Ah, je peux essayer, oui. Donc je lui parle un peu, je lui dis qu'est-ce que là, tu peux me dire sur ce bras ? Il ne réagit pas non plus. Il n'a pas l'air de comprendre et c'est surtout qu'il est en train de mourir et il ferme les yeux. Ce n'est pas un humain, voyons. Je crois qu'il n'a pas supporté l'italien. Et là, vous le voyez mourir à vos pieds. Bon, on ne peut plus rien pour lui. Pas de temps. Bon, je récupère ma corde. Je récupère mes cordes et puis... il faut continuer. Vous avez remarqué, ils ont tous des bras arrachés. Oui, effectivement. Azo, vous alors, que je regarde votre... vas-y. Vous voulez que je regarde votre blessure ? Juste une question, il est mort. Il est mort suite à la blessure que je lui ai faite ? Oh oui, il a canne épée en plein cœur. Ah, ouais. J'essaye de regarder la griffure de Mazo. Oui, Max, je te la montre. Histoire de tenter les premiers soins. Vas-y. Il faut que vous fassiez un garrot, histoire de faire sortir, j'espère qu'il n'y a pas de venin. J'ai réussi. Alors, il me semble que c'est un point de vie. Je vais te confirmer ça. C'est pas un D2 ou un D3, je sais plus. Un D3, c'est avec médecine, il me semble. C'est un point de vie par semaine. Ouais, premier soin, soigne un point de vie. Ok. Au niveau des dégâts ordinaires. Ouais. Ça permet en tout cas de stabiliser la blessure. Vous avez regardé s'il avait du venin ? Tu ne ressens rien de particulier, Mazo. Est-ce qu'on peut presser sa blessure tout de même légèrement pour voir si ça exsude ou... Monsieur Novak, s'il y avait du venin, nous ne pourrions rien faire. Nous ne pourrions rien faire. Justement, si, il faut l'enlever tout de suite. S'il y a du venin qui a été injecté, il y a parfois une façon de le faire sortir. Nous pourrions l'appeler... Vous êtes médecin, monsieur Novak ? Non, mais j'ai été sur des champs de bataille. Et croyez-moi... On en a sauvé quelques-uns comme ça. Comment tu te sens, Mazo ? Ça va, je ne ressens rien de plus que ce que l'on ressent avec ce type de blessure. Pour l'instant, en tout cas. Si ça doit changer, je vous préviendrai. Non ? Je pense que je peux continuer. En tout cas, tous ces hommes lézards avaient le bras tranché. Il s'agit peut-être d'un rituel de passage ou, comme nous l'avons supposé... un peu plus tôt, ils ont tous essayé de pénétrer la salle qui contient le bouclier que nous recherchons. Oui, ou en tout cas cette bouche. Il y a probablement une salle, effectivement, avec une stèle de gardien. S'ils avaient mis la main dessus, ils seraient partis. À moins qu'ils aient occupé ces égouts depuis... depuis des milliers d'années, sans qu'on s'en rende compte. Bref, continuons notre chemin. Novak, je te laisse toujours, à moins que vous changiez l'ordre. Tu peux avancer de 8 cases, je crois. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà. On va passer maintenant à Max. Voilà.
Et maintenant, Tobias, je vais faire le déplacement à ta place. Est-ce qu'on peut voir s'il y a des traces de griffes justement qui se dirigent vers un endroit particulier ou... Parce qu'on Là, vient de voir quatre hommes, serpents. tu pourras le faire. Alors, le long du parcours que tu as fait, non, tu n'en as pas vu. Masso, c'est à toi. Juste une question que j'ai pas pensé. Les hommes lézards qui nous ont attaqués, donc c'est bien eux qui laissent des traces de griffes, c'est ça? Ça correspond, ouais. D'accord, merci. Novak, maintenant tu peux. Et du Alors coup, je avant. vois une bifurcation, donc. Ouais, tu vois une bifurcation. Donc du coup, il faut que je vois si je trouve des traces de passage, quoi. Novak, soyez discret. Utilisez une grenade si nécessaire. À part nos sources lumineuses, il n'y a pas d'autres sources lumineuses, hein, dans les tunnels. Non, tu ne vois pas d'autres sources lumineuses. Ok, donc du coup, comme mes camarades ont leur lumière allumée, moi je vais éteindre la mienne et je vais avancer légèrement et essayer de regarder au sol s'il y a des traces. À ce moment-là, tu vois une créature qui fonce sur toi, qui est à ton niveau. Certains d'entre vous la voyez aussi. Elle arrive juste devant toi, Masso, et Novak aussi. Et Novak, tu en vois une aussi derrière, et ainsi qu'une autre, qui fonce droit sur vous. Donc je suppose que j'ai pas l'initiative de toute façon. Là, non. Et elle va t'attaquer le premier. Elle te loupe. Tu peux agir maintenant. Ah bah je la dégomme hein, tout de suite. Vas-y, à bout pourcent. Alors. Alors 50. tu... Ouais. Dire que c'est bon. J'avais juste oublié de te préciser, comme tu étais à bout portant, que tu avais le droit à un des bonus. Ah bon, de toute façon c'est pas grave. Oui, ce serait dommage de retenter. C'est ça. Ok. Les dégâts, tu les as fait apparaître sur la créature ou pas? C'est juste une question. Ah non, pardon, Ouais, mais effectivement, c'est les pas grave, dégâts, il faut... je veux le soustraire. Ah ok, les dégâts, il faut faire pareil que les l'attaque, pardon, Exactement, je ouais. savais pas. Donc elle tombe inconscient. Bon, je saurai pour le prochain. Elle tombe inconsciente. Maintenant, Masso, c'est à toi de jouer. Eh ben pareil, hein, puisque j'avais le doigt sur la gâchette, Voilà, dès là qu'il est c'est juste apparu, pour la forme, je commençais à... au cas où il y aurait un enrayement. Ouais, tu Donc arrives à la tuer directement. Les autres créatures, en tout Novak, il cas, faut bon. vraiment faire gaffe. Les autres créatures bondissent sur vous. Tu parles de pluriel. Ah, il y en avait d'autres, ok. Il y en a d'autres, ouais. Il y en a une qui arrive à ton Ah, niveau. encore une. Elle aura un petit dé malus, étant donné qu'elle était dans le mouvement. Elle te loupe. Maintenant, on va passer à Max.
Ben Max, lui, va essayer de se déplacer pour essayer de couvrir ses camarades. Je me mets là. Et puis j'attends. Parce que j'ai pas de ligne de vue, là, je risque de tirer sur Novak. Tobias, toi, t'es en retrait. Est-ce que tu veux aller plus vers l'attaque ou dans la zone d'attaque ou rester en retrait? Eh bien, j'estime que comme ça, je peux tirer sur une des créatures sans blesser aucun de mes compagnons. Là, non, il bloque le champ de vision de la cible. Eh Il y a trop ben, de risques. du coup, Il y a oui, trop de risques. j'essaye de venir au corps à corps alors avec mon épée. Tu pourras agir au prochain tour. Le passage D'accord. est un peu bloqué dans l'agitation. Derrière toi, Max, il y a une créature qui fonce sur toi, qui s'apprête à t'attaquer, et tu en vois Et une autre aussi derrière. je suis plutôt surpris parce que Oui. j'ai pas du tout vu venir celle-là. Bah, je crois qu'on n'a toujours pas compris d'où elle vient, ouais. Et il y en a une autre qui arrive. Elles sont bien longues. Vous êtes entouré. Et elle va te porter. Donc elle aura un des bonus vu qu'elle arrive par derrière. Par surprise. Eh bien, elle trébuche sur le parcours et elle n'arrive pas à t'atteindre. Et maintenant, c'est à Novak d'agir. Alors, moi je vais dégommer celle qui est devant. Alors, du coup, j'ai mis les 3D dessus, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Attends, je réessaie. En fait, il faut prendre plutôt, tu sais, dans ta caractéristique, au niveau des dégâts, tu maintiens appuyé, comme tu fais pour un test de Ah, dans la caractéristique. caractéristique? Ouais. Ouais. Mais alors, par contre, moi, je le fais 3 fois. Attends, je comprends pas. Tu vas dans combat à distance, dans la compétence ou dans le principal Dans dégâts, là où c'est marqué un des 10. Ah, ok, d'accord. Comme ça? Ouais, exactement. Ouais, tu la tues. Tu l'exploses. Son sang gicle sur ton corps. Je ne m'en rends même pas compte là, je suis tellement dans le... Dans le combat pur, tenter de conserver ma vie. Masso, c'est à toi d'agir. Oui, ben moi je tire sur celle qui est en face de moi. Vas-y. C'est bon. Voilà, tu peux Et lancer du coup, je 3 des peux 10. faire 3 des 10, ça c'est ça. C'est ça. J'ai essayé de faire avec les dégâts, mais de nouveau, ça a pas l'air de marcher. Ok. Moi, ouais, je vais prendre la main. Oui, j'ai aussi lancé un des 10 normalement, mais ça marche pas, donc je te laisse faire. Ok. Ouais, tu arrives à la buter. Sans problème. Ok.
Très bien. La créature va attaquer Novak. Elle te loupe. Et alors maintenant, Tobias, tu peux éventuellement t'avancer avec ta canne épée pour essayer d'en buter, d'en toucher une. Donc, Eh ben oui, je le fais. vas-y, je te fais la manip directement. Elle embroche Maximilien pour avoir l'autre derrière. Donc tu arrives à toucher la créature. Et ouais, tu lui fais perdre quelques points de vie. Tu l'arrives encore à l'embrocher, comme la précédente. Les brochettes de lézard, tout le temps. Maintenant, c'est la créature qui va attaquer, qui est en face de Maximilien, qui va essayer de la toucher. Eh bien, je ne fais que des échecs. À toi, Max. Petite tripote, j'ai repris mon sang-froid. Et... Tu vides ton chargeur. Oh, je lui tire 5 balles déjà, ça fera 3 balles. 3 balles touche. Alors là, tu lui touches les 5 balles, hein, donc on va faire pour la forme, tu peux me lancer 5 dés de 10. Je te dirai quand tu pourras arrêter. Hein. Normalement, ça devrait être bon. Hein. C'est bon. C'est bon, tu peux arrêter. J'en ai encore deux, j'en ai encore deux. Oui, c'est ça. Tu vides tout ton chargeur. À toi, Novak. Tu en as une toujours en face de toi. Bah oui. C'est celle dont je vais m'occuper, ouais. Oui, bien non. J'aurais dû lui balancer un coup de pied dans la tronche, mais... Elle, disons, elle anticipe... Elle est encore plus rapide que toi et elle va t'attaquer à nouveau avant. Elle te touche. Ah! Et elle te fait perdre 4 points de vie. Normalement, tu as dû les perdre automatiquement. Ah oui, exact. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Masso, en fait, tes points de vie, t'en restaient 7. Hein. Ah oui, ok, d'accord. Ok, effectivement. C'est pour ça. Bah, tu peux agir, Masso. Ou pas. Donc là, je vais tirer sur Novak. Pour l'achever, vu qu'il est par terre. Il est blessé, c'est comme les chevaux, hein, on pourra plus rien en tirer. Me loupe pas parce que le round suivant. Non, mais voilà, je me suis déplacé. Alors, je ne sais pas si en plus je peux tirer ou si je me contente de me déplacer. Ouais, tu peux tirer, vas-y. C'est réussi. Vas-y. Je vais lancer 3 des 10.
Oui, vous faites le toit, puisque Ouais, je moi, vais le ça n'a refaire, pas ouais, c'est vrai. bien marché. Exact. Ouais, t'arrives à le buter sans problème. Très bien, il y a eu quelques petits dégâts. Novak a été touché un petit peu. On va lui faire un premier soin. Même moi, je vais me garrotter, hein. Novak, laissez-moi regarder. Espérons que j'ai pas été touché par son venin. C'est raté. Laissez-moi faire, je vais me garrotter. Est-ce qu'on peut se faire un premier soin sur soi-même? Oui, je pense. Oui, si t'es pas dans le coma, ouais, c'est sans problème. Je vais quand même vous assister, Novak. Ça ira, je vais me faire un garrot et je vais presser m'appeler pour voir s'il y a pas de si rien n'en sort du venin ou... Donc tu peux gagner un point de vie. Tobias, soit tu n'as pas été touché. Ouais. Vous en êtes bien sorti. D'où sortaient ces créatures? Elles sont apparues trop rapidement. On va essayer de On peut progresser peut-être commencer à fouiller les pièces. plus prudemment. Vous croyez qu'elles étaient tapies dans les ombres ou bien elles sont apparues par un accès qu'on ne verrait pas? Écoutez, Novak, avec le boucan qu'on a fait, je crois qu'elle nous attendait. Oui, c'est clair. Dès nos Bien. premiers coups de feu, ils ont su qu'on arrive. Est-ce que tout le monde va bien par ailleurs? Fouillons un peu l'endroit. Ben moi je vais poursuivre ma fouille pour voir s'il y a des traces et où elles vont. Moi, je pars à Donc gauche. je vous laisse avancer du nombre de cases. Donc toi, Bah, Masso, le tu vois problème, un c'est que je sais accès. pas si je vais à gauche ou à droite, moi, en fonction des pas, si je vois des pas. Vous remarquez, en fait, tu vois des pas, mais en direction de plus vers le nord-est. D'accord, bah donc je vais monter alors. Des pas griffus ou des pas avec chaussures? Plutôt des griffures. Ça va en direction, en tout cas, la piste que suit Novak. Donc Tobias, t'es derrière. Ah oui. Oui, Ce que je d'où je trouve dois bizarre, aller? c'est que pour l'instant, on a vu. Enfin, est-ce que je trouve bizarre ou logique par rapport au chemin qu'on a pris que pour l'instant, on n'a trouvé aucune trace des fouilles et des ouvriers du camp là? Les prisonniers Non. allemands, c'est ça? Non, en effet, ouais, ça s'est pas connecté. Peut-être Parce que qu'ils je sont pense qu'ils sont restés. encore dans le réseau d'égouts romains alors qu'ils n'ont pas atteint le. Alors toi, Les anciens Mazo, passages. ouais, tu peux juste t'arrêter. Je t'ai vu revenir, ouais, par là. Tac. Quand t'es arrivé à ce niveau-là, tu as vu trois créatures qui arrivent vers toi. Oh mince, je préviens les autres. Il y en a trois qui arrivent par ici. Parce que moi je te vois plus alors. Du coup je Je braque ma crie. lumière verte. Mais... Je sais pas où t'es, moi je te vois plus. Je suis Moi je suis à proximité, moi. tout à fait à droite, si tu veux. Ah bon? Le plus à droite possible, tu vois, sur le plan.
à l'entrée d'un couloir. Tu as donc les trois créatures qui arrivent sur toi. Vous êtes face à face. Ah, je décharge mon arme. Donc les autres sont juste un peu en retrait. Sauf celle qui est face à moi, bien sûr. Les autres sont un peu en retrait au moment où tu t'apprêtes à tirer. Et bah on va faire un jet en même temps. C'est parti. Moi, c'est loupé. Je te laisse. Tu pourras tirer au prochain coup. C'est loupé aussi. D'autres créatures arrivent. Maximilien, en tout cas, tu vois la scène. Il y en a une qui arrive au niveau de Mazo pour lui porter un coup de griffe. Un autre est derrière. À toi d'agir, Max. Max, il va s'avancer. 1, 2, 3. Est-ce que je peux tirer, je peux arroser les deux créatures qui sont là? Ça se Sur la passe comment droite, si je fais ouais. un... Ouais, sur la droite, ouais, tu peux. Pas tirer vers Mazo, mais juste à arroser les deux. Ouais, alors, décale-toi peut-être plus sur la droite. Comme ça. Ouais. Et ça se passe comment quand on... Tu me dis le nombre de balles que tu veux répartir sur les deux créatures. Donc si C'est t'as... toujours 5 balles. Ouais. Toujours 5 D'accord. balles. Donc tu peux Donc faire 3-2 d'un côté. 3 et 2. Et si tu réussis sur si tu réussis ton jet sur la première et la deuxième créature, tu n'auras pas des malus pour toucher l'autre, étant donné que ça reste assez réduit quoi comme zone de tir. Tu pourras faire le premier tir, donc si tu le réussis, tu toucheras 2 balles, et l'autre tu Ouais. toucheras d'une balle. Ok. Bah, c'est raté. C'est raté. Et pour la deuxième? Pour la deuxième. Un des malus pour la deuxième? Non, non. C'est réussi. Donc c'est deux les deux balles. C'est une balle. Ou une balle, d'accord. Ah bah tu l'as bien touché. Je vais faire un test de con. Institution. Il est encore debout. Très bien. Je vous laisse agir en même temps, Tobias et Novak. Donc vous comprenez pas trop, enfin vous si vous comprenez ce qui se passe. Et Novak, je te laisse prendre le contrôle de ton joueur. Ouais, parce que moi je vois pas trop où ils sont, donc je vais rebrousser chemin parce que du coup je pense qu'on était au plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah Et oui, le bruit d'accord. qu'on a fait, t'as dû 7, nous entendre. 8. Ouais, ça y est. Toi, Tobias, tu peux suivre Novak ou sinon aller sur l'accès vers laquelle était apparemment dirigé Maximilien. Bah ouais, je vais faire ça. Donc tu vois la zone de combat, en effet, Max et puis Masso, t'essayes de bien te positionner pour le prochain coup. Ah, il y Et a un éviter passage d'être par dans là. les... Je te montre, tu vois, juste ici. Alors c'est bizarre, Ah, ouais, ok, c'est assez sombre. d'accord. Ouais, c'est un bug. D'accord, oui. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Ça... Je l'avais pas vu. Tu peux J'étais là, je reprendre... crois. Tu peux refaire ton positionnement, hein, si tu veux. Hein. Non, bon, j'ai fait ça, tant pis, c'est pas grave.
Je mettrai juste un peu plus de temps à arriver. Si mon camarade meurt, il t'en voudra à toi. Masso, c'est à toi d'agir. Alors, je vais tirer sur la créature qui me fait face, mais la 5, on va dire, tu vois, celle qui est là. Mais alors, il faut savoir, je n'ai plus que 2 balles, hein, donc je vais tirer, mais je n'ai que 2 balles de toute façon dans le charge. Après ça, je dois changer de. Je dois recharger. Je dois changer de charge. D'accord. C'est quand même un succès. Vas-y. Tu peux faire 2 dés de 10. Enfin, je le fais. Ben, ouais, voilà. Je le fais. Donc, c'est celle qui était sur. C'était la numéro. La 5. Tu avais touché la numéro 6, c'est ça? 5. 5, non, ok. La 5. Ok. Oui, les autres, je considérais que Max était en train de s'en occuper. Donc. Donc elle tombe à terre, la créature numéro 5. La nu numéro 12 va te porter un coup. Elle n'arrive pas à te toucher. Et Max, c'est à toi d'agir. Bah Max, il fait pareil que tout à l'heure, donc 3 et 2 sur les deux, sur la 12 et la 6. Bah, 3 balles sur la 12 et 2 balles sur la 6 qui a déjà été touchée. Par contre, fais gaffe. Hein. Donc, première, c'est touché. Ouais, ok. Et sur la 6, je refais un test de toucher, c'est ça? Alors par contre c'était 2 balles pour la première C'est tout. créature, donc la 12. Ah d'accord, 8 et 2 alors. Voilà, donc elle fait un J'ai 10. le 4, il compte pas. Donc moi de toute façon t'arrives à la buter. Et Et donc une puis balle sur la 6, si je touche. c'est pas la 5 plutôt? Non, la 5 c'était Ok, Mazo. La ok. 6 c'est celle que j'avais touchée Ok. tout à l'heure. Bah, c'est raté hein, sur la deuxième. Ok. À vous d'agir, Novak. Alors du coup, moi je vois pas tout parce qu'il me parle d'une 6 que je ne vois pas. Donc moi j'ai que la 5 en visu, mais est-ce que je suis pas trop loin pour ça? Non, t'es à moins La 5, de elle est à 30 terre de mètres. toute façon. Ouais, la 5 est à terre. Donc, pas la peine de prendre de risques en me blessant. D'accord, mais moi c'est la En me 5 qui est. blessant. Dans ce cas-là, il faut que je m'en. Petite précision. Oui, parce que Ok. la 6 est dans le couloir, donc c'est normal que tu ne la vois pas. 7. 8. Voilà, je peux faire que ça. La numéro 6 va en direction de Max et va lui porter un coup. Elle a l'air quand même assez amochée. Elle arrive à te toucher. Tu perds 6 points de vie, Max. Pendant ce temps-là, Tobias, toi, tu peux achever une créature à terre avec ta canne épée si tu le souhaites.
L'autre créature qui est en face de Max est dans un coin, isolée et difficile à la percuter tout de suite. Bah, ça dépend si elle est déjà bien blessée, celle qui est à terre, et qu'elle ne risque plus de nous nuire. Je préfère ne pas l'achever. Ok. Je préfère concentrer mon attention et mes efforts sur une qui pourrait être potentiellement plus dangereuse, quoi. Donc tu te positionnes, disons, pour la prochaine attaque derrière celle qui serait potentiellement dangereuse. Donc tu arrives à enjamber l'autre, bien sûr. Voilà, ceci bien sûr à condition que, comme dit celle qui est mourante, ne, enfin blessée, ne, Elle est elle me semble inconsciente. plus poser de Elle est danger. Oui, bon inconsciente, donc alors tu peux voilà, je vais faire l'enjamber, comme sauter ça. par-dessus, et puis t'approcher de la sixième. Oui, Sixième je vais faire bestiole. alors. On en était à Masso. Maximilien a été touché, donc Masso, toi tu peux t'approcher de la créature numéro 6. Oui, la seule chose, c'est que moi, il faut que je recharge maintenant, durant ce tour-ci, Ah, il te faut deux si j'ai bien randoms. compris. Ouais, Ouais. alors après, sinon tu as d'autres armes, mais, par exemple un couteau. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais voilà, Ok. peut-être le temps de le prendre, de faire la manip, tu pourras pas attaquer au prochain tour. Enfin, ce tour-là, tu pourras pas attaquer, tu pourras attaquer au prochain tour. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je vais prendre effectivement le couteau et me diriger et me positionner. Novak, c'est à toi de prendre la main. Max, il avait été touché. Oui, alors du coup, il n'y a plus beaucoup de place. Donc, Il faut pousser Ah, vous. ce que je vais faire, c'est que je vais achever la 5, là, celle qui est devant moi. Mais je vais même pas prendre mon arme, hein. Là, je vais lui foutre un coup de crosse dans la figure pour le lui écraser dessus, quoi. Ok. Ouais, tu peux me jeter un dé de 3. Là, on peut le faire à la main directement. Alors, sachant que j'ai en plus un bonus d'impact, hein. Vas-y. Alors, un D3. C'est quoi le D3, c'est ça? Je crois qu'il n'y en a Le pas, sinon D3, tu c'est le lances le dé D de 6. triangulaire? Ah, ok. Non, sinon tu lances le D de 6 et on divise par 2. Alors, Ouais, voilà, tu 3. lui exploses avec fracas son crâne. Voilà, on la voit même plus. Max, il a été sévèrement touché, mais Tobias, tu peux porter un coup de canne-épée sur la créature qui est en face de vous, la seule encore prête à vous toucher. Je lance des dés pour toi. Et tu n'as pas réussi à la toucher. Masso, toi tu es prêt maintenant de la créature. Tu peux tenter un jet de couteau. Ok. Je vais dépenser 17 points de chance Ok. pour réussir. Ok. Ce qui nous fait 66,59. Étant fixé sur Tobias, tu as réussi à la tuer. Alors là, par contre, tu peux me refaire ton jet. Parce que là, tu pouvais faire un des bonus. Étant donné qu'il s'apprêtait à attaquer Tobias. Donc, dépense pas tes points de chance. Ah. Ouais, donc là c'est un petit peu mieux. Tu peux dépenser 12 points de chance. 12 points de chance, voilà. Et moi, je te laisse me décrire comment tu l'achèves. Ah, je lui plante le couteau sous la gueule comme ça et je le, tu vois, en bougeant bien le couteau,
Je crée une ouverture où le sang peut jaillir en quantité. Vous reprenez chacun vos esprits après cette frénésie. Vous allez pouvoir me faire cependant un jet tous santé mentale. Alors du coup, moi, c'est réussi parce que c'est 70, hein, c'est ça, parce que le 10 est un 0. C'est ça. Ouais. Donc c'est réussi pour moi. Tobias aussi, c'est réussi. Alors moi, pas du tout. Je deviens fou. Max, c'est réussi aussi. Perdra 2 points de santé mentale. Pour les autres, vous perdrez qu'un point de santé mentale. Maximilien, comment va votre jambe? C'est ta jambe, hein, je crois. Qu'est-ce qu'il avait touché? Je sais pas, j'ai pas gardé. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va aller. Ah. Fais-moi voir. Il fait un garrot. Vous entendez en tout cas un silence de mort. Oula. Alors là, ça. Oui, là, ça dégénère. Bon, mais là, du coup, perds un point de... je prends la main là. Tu perds un point de vie, Max. Je peux essayer de faire quelque chose. T'avais un peu la tremblotte. Tu peux essayer de reprendre la main pour essayer de compenser la perte de ce point. Allons, vous faites des bêtises là, c'est pas comme ça. Finalement, tu ne perds pas de point de vie. Au moins, ça a atténué la petite hémorragie. Mazo, la prochaine fois que vous allez quelque part, attendez que nous soyons avec vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas suivi d'ailleurs à ce propos? Je jetais un coup d'œil, je n'avais rien entendu venir effectivement. Les coups d'œil peuvent être mortels. Bien, je vais profiter de ce moment d'accalmie pour recharger mon MP38. Oui, moi aussi. D'un seul coup, vous entendez et vous ressentez comme une sorte de tremblement. Comme une sorte de tremblement de terre. Et qui est apparu quelques secondes après, même pas une seconde après, comme une sorte d'explosion. Au loin. On entend des bruits. Oui. Et ça a résonné de partout. Allemands. Des bruits allemands. Ça doit être les Allemands, ça. Les Allemands sont en train de dynamiter le système. Ils vont arriver d'ici pas longtemps. Il nous faut vite poursuivre notre chemin et trouver ce Clipeus. Vous avez raison. Voilà, plus de temps à perdre. Dépêchons-nous. Allons peut-être voir au fond de ce couloir d'où venaient les créatures, non? Qu'en pensez-vous? Par où? Par le bas, le sud? Alors au niveau des griffes, ça venait plutôt vers le nord. Ah oui, moi j'avais vu le nord-est, donc du coup... D'accord, allez-y, je vous suis. Allez-y, Novak. 8, voilà, moi je suis à 8 là. Ouais, là en tout cas les pas que tu. Enfin les traces que tu suis, Novak, vont en ce sens. Vers l'ouverture vers le nord. Soyez vigilants à ce qu'une créature ne nous tombe dessus. Faites attention aussi à nos têtes. Ils sont en train de dynamiter tout le coin.
derrière vous, vous entendez en tout cas les voix qui s'amplifient, des voix humaines au loin. Vous arrivez tous dans en quelle langue ? Difficile à dire, mais qui paraît beaucoup plus familier que les murmures des hommes lézards. Et là, vous arrivez en fait devant une ouverture vers une salle beaucoup plus grande et que toutes celles que vous avez traversées jusque-là. Et vous découvrez un nouveau cul-de-sac, mais en fait, c'est une salle. Et le mur devant vous est richement sculpté et porte toutes sortes de symboles étranges. Ainsi, encore une fois, de quelque chose de très familier, la Bocca della Verità. Ah, je crois que notre destin est... Hein? Nous sommes confrontés à notre destin. Oui. Mazo, posez des charges explosives à l'entrée. Si jamais les nazis arrivent, on fait tout sauter. Ok. Donc Mazo, tu décharges explosif. Voilà. Donc là, j'ai pas représenté de salle, mais voilà, il y a vraiment une ouverture vers le sud, et vous êtes vraiment dans une salle carrée, avec en face de l'ouverture la statue de la Bocca della Verità. La même que... C'est une copie, c'est ça? Enfin, l'une des deux est une copie? Bah en tout cas, très similaire. Quand tu regardes de près... Oui, vas-y. Ouais, est-ce que géographiquement, ça pourrait être au même endroit que celle qu'il y a dans les rues de Rome? Non. Non, par rapport à la zone où vous êtes en train de couvrir depuis tout à l'heure, non. D'accord. Eh bien, Tobias, voulez-vous mettre votre main? Non. Non. Alors, en disant ça, il va falloir que quelqu'un s'y frotte. Alors, un travail d'archéologue. En disant ça, en fait, vous voyez que la surface, vous voyez pas d'ouverture pour mettre la main à l'intérieur de la bouche, mais juste une surface rocheuse. Oui, sans la tête, tu veux dire. Au niveau de la bouche, t'as juste une surface. Il n'y a pas d'ouverture. Eh bien, messieurs. Tobias, est-ce que vous pouvez traduire ce qu'il y a d'un... La bouche est fermée, c'est ça? C'est ça. Il y a des inscriptions ou pas? Non, il n'y a pas d'inscription. Parallèlement à ça, vous entendez... Des voix en allemand qui arrivent petit à petit. Eh bien, allez, on n'a pas de temps à perdre. Quitte à perdre un bras. Entre perdre un bras et perdre la vie. J'essaye de poser ma main sur l'endroit où se trouve la bouche. Alors, tu vois qu'au niveau de la surface, au niveau de la bouche, tu remarques qu'il y a plusieurs petites griffures. Et quand tu mets ta main dessus... Donc, est-ce que tu appuies sur cette zone? J'appuie dessus, ouais. Et là, en tu entends. En troublant, bien sûr, parce que je sais que je risque de perdre mon bras. Et là, tu entends un étrange bruit grinçant, lentement mais sûrement. Tu vois derrière la Bocca della Verità que le panneau central bascule et qui révèle un passage à travers. Une sorte de galerie faiblement éclairée. Et vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi ça reste éclairé. Masso, toi derrière, tu entends les bruits qui s'approchent. Ça parle en allemand. Ils ont l'air d'être très près de toi. Moi, j'ai installé les explosifs. Ouais. Et je suis retourné auprès d'eux. Il faut qu'on fasse sauter la galerie là, ici, là. Je suis prêt, hein. J'ai une mèche entre les mains, une longue mèche prête à l'allumer. Ouais, ok, tu Dès peux... Dès que j'estime qu'il se rapproche de trop. Ok.
Donc Novak, toi, t'es plus spécialiste au niveau explosif. Ah oui, Tu et moi peux j'étais prêt à faire contrôler. sauter là. Ouais, tu peux me faire un jet, Novak. Ça inclut le fait que tu aies contrôlé, vérifié ce qui a été fait par Masso, tu l'as appuyé pour voir si ça fonctionne. Alors attends, c'est quoi C'est quoi, grenade à main? Non, c'est Non, explosif. c'est... C'est dans les compétences. Ah oui, exact, ok. Au moment où tu es prêt à appuyer, tu vois en effet deux soldats de la Wehrmacht prêts à tirer sur vous. Au moment d'appuyer, bien sûr, vous avez pris assez de recul nécessaire. Et ça s'est produit au même moment où la porte derrière la Boca della Verita s'est ouverte. Et créant un jet foudroyant d'explosifs sur cette zone. Il y a de la poussière partout, ça crée des éboulements, bloquant le passage. Et que faites-vous? Attends, on peut quand même passer devant nous. Enfin, on a fait Vous pouvez. sauter la galerie derrière. Oui, tout à Oui, au fait, ouais. sud. Oui, au Ok. sud. Au nord, vous pouvez Et du coup, passer on peut derrière la essayer de Boca della passer dans le Verita. passage. Ouais, Oui, bah voilà. donc on n'a pas le Au choix fond, que de ça. passer par là, de toute façon, on a qu'un endroit, hein. Ouais. On est face à notre destin maintenant. Allez-y, Novak. Comme si ça. Oui, je crois qu'il y a le bras aussi de Maximilien. Il est encore dedans ou ça s'est ouvert complètement? Ça s'est ouvert Ça s'est complètement ouvert. sans problème. Il lui reste son bras. Ok. Je te rassure, Max. De toute façon, j'en avais un deuxième. Ça Donc la porte en fer révèle une vaste caverne. Laquelle semble illuminée par des lueurs de champignons phosphorescents, alignées dans des vettes cristallines qui courent le long des parois, mais aussi sur la surface de ce qui ressemble à un lac situé au cœur même de la chambre. Les murs de la caverne ont quelque chose d'extrêmement dérangeant, en plus des moisissures scintillantes qui se répandent en marbure insolite. Ils sont recouverts de curieux motifs et de symboles grossiers qui ne semblent avoir été ni gravés ni peints sur la roche. Et en regardant de plus près, vous voyez des milliers d'os et de griffes soigneusement attachés les uns aux autres à l'aide de tendons. Tous proviennent de doigts, de mains et de poignets, appartenant probablement au peuple serpent, d'après leur taille. On trouve ni crâne, ni vertèbres, ni autre type d'ossements. Et à certains endroits, les champignons ont même repoussé par-dessus des sculptures squelettiques, les déformant encore davantage. Au centre du lac, vous voyez un lac, et au centre, il semble y avoir une sorte de fontaine. Et celle-ci n'est pas sans rappeler une fontaine très connue à Rome, la fontaine du Triton de Trévise. la Piazza Barberini. En beaucoup beaucoup plus vieux et beaucoup plus lugubre. Je vous partage l'image de cette fontaine à Rome. Et au pied de la fontaine, vous remarquez quatre dauphins sculptés émergeant des eaux qui sont peu profondes en fait dans ce lac. Vous pouvez marcher sans problème, hein. Vous risquez pas de vous noyer. Chacun montrant la direction d'un point cardinal. Et dessus se dresse un énorme coquillage qui arbore un visage des plus familiers, identique à celui de la Bocca della Verità, sauf que ce visage-ci est beaucoup plus endommagé et usé. En vous approchant, vous voyez que la bouche est d'ailleurs tachée. Autour d'elle, vous retrouvez cette couleur très sombre. Au niveau de l'air, vous ressentez aussi d'étranges sensations, comme s'il émanait une sorte d'électricité. Eh bien, j'ai bien peur que c'est ici que nos amis ont tous perdu leurs bras. La couleur rouge doit être du sang, leur sang.
Et du coup, oui, on a ok, des dauphins avec des points cardinaux. Eh bien. Tobias, Que faites-vous? est-ce que vous savez? Tobias, est-ce que dans le livre du professeur, vous aviez un passage qui parlait de ça? Il me semble pas. Ouais, je te confirme. Cette Bon. statuette que nous avions trouvée chez le professeur, vous vous rappelez? Avec le bras qui bouge là? Oui, voilà, comme vous dites, avec le bras qui bouge, ça ne vous parle pas? Vous voyez ce que je veux dire? Une statuette avec un bras qui bouge, je ne sais pas moi. Ça n'aurait pas un lien avec ce que nous avons en face de nous? Microphone muted. Est-ce qu'on peut revoir la statuette, éventuellement? Microphone activated. Elle est à l'hôtel. Ah, ok. Vous l'aviez laissée au coffre. D'accord. Avec le journal du docteur. La bouche de la vérité, là, elle est tournée vers quelle. Enfin, le regard va dans quelle direction? Elle va dans la direction du nord. Vous croyez que si on y met notre bras, quelqu'un va nous poser une question? C'est l'énigme du sphinx. Je ne sais pas du tout. J'examine la statue dans son ensemble, les dauphins aussi. Oui, moi, je regarde un peu les yeux et le nez Il y a des du ouvertures au visage. niveau des deux orbites et puis des narines et ainsi que au niveau de la bouche. Est-ce qu'il semble y avoir des parties mobiles sur cette sculpture? Non. Non, tu bouges, tu te déplaces, tu essayes de tourner les disques, éventuellement de bouger les quatre dauphins, non, sans succès. Et si on y mettait un bras là, puisqu'il y a des morceaux de bras là, non, dans la salle? Si on y Oui, mettait un bras d'une il y a des créature? bras d'hommes serpents, plus ou moins frais. Vous voulez qu'on y mette un bras, mais pas le nôtre? C'est un travail d'archéologue. Mais Tobias, ça n'a pas l'air de vouloir parler. Mais c'est Tobias qui doit agir en tant qu'archéologue. Moi, je suis l'homme pragmatique, hein. Moi, je suis prêt à prendre un bras de créature et de la foutre dans la bouche, hein. Et pour en faire quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Et ben, pour voir si déjà il y a une réaction, s'il se passe quelque chose. Ah, c'est-à-dire que je préfère essayer avec le bras d'une créature qu'avec le mien, quoi. Ah bah Ça tu nous peux laisse déjà un essayer deuxième avec essai. voilà, tu peux déjà essayer avec un bras de créature, effectivement. Ben oui. Ça nous fera un essai supplémentaire. Voilà. On verra bien ce qui se passe. Erreur. Bon, allez, moi je prends. Voyant le peu de réaction de mes camarades, je prends un bras et je le mets dans la bouche. Quand tu fais ceci, tu entends une sorte de mécanisme. Et tu vois une sorte de comme une sorte de bruit de lame. Quand tu ressors ce bras, tu vois avec horreur que ce bras était sectionné. Ma foi, je suis bien content de ne pas avoir mis mon bras. Vous Tu peux pensez me qu'il y a faire un quelque jet chose à de faire? toc. Ça marche. Tu vois comme une sorte de petite piqûre au niveau
de la paume. Je t'ai pas entendu, une sorte de... De petite piqûre, une marque de piqûre au niveau de la paume de la main. Ah, ok. Comme s'il analysait le sang de la créature qui a mis sa main dedans. Et vous pensez que c'est parce que c'est le bras d'une créature non humaine? Et surtout oui, que c'est... Novak, mettez votre bras maintenant. Voilà, tout s'explique. On voit si ça marche. Surtout que c'est... ce sont des ennemis de l'Atlantide. Il faudrait surtout comprendre. Ici pour rien, Novak. Il n'y a pas de créature humaine morte autour de nous? Humaine, non. Que des hommes serpents. Oui. Bon, allez, Novak, ne perdons pas de temps. Mettez votre bras. Bon, bon. Bah, de toute façon, on est là. À part la bouche, on peut pas le mettre ailleurs, hein, dans les trous de nez ou dans les oh, yeux. Dieu, oh, tu peux mettre tes doigts dans les trous de en nez fait, si tu veux. J'aimerais bien. Tu peux mettre tes doigts dans le. Mais attends, je suis prêt à tout. Il y a juste une tête. Mais t'es pas obligé de le dire. J'aimerais bien comprendre. Le rapport entre la bouche de la vérité qui est là et le Clépéus. Eh ben, ça va peut-être ouvrir un panneau, je ne sais pas, quelque chose dans la grotte. En tout cas, les hommes serpents ont pensé que c'était ici. Donc, il semble que tous les le peuple serpent converge vers cet endroit et que même les Allemands. Il y a aucune inscription nulle part. Non. Aucun dessin, ces murs. Bon, allez, on va pas tergiverser 30 Allez-y, ans. Je vais y mettre la main voilà. Allez, dans la bouche. Tu es sûr? Si votre bras est coupé, on vous fera les premiers soins. Oh, bah, vu la façon dont vous faites des premiers soins, il mieux valu que je sois moi en backup. Mais. Donc, tu es sûr? Ah bah écoute, hein. Mes camarades n'ont pas l'air d'avoir plus d'idées alors. Bah, allez-y, mettez votre bras, ça suffit. C'est Oui, une remarque oui, de la. C'est colonne. Le dernier mot. Oh, ouais. Vas-y. Je me demandais si Lias pouvait faire un jet d'intelligence pour avoir. Savoir. Pour voir si c'est quelque chose qui m'a échappé. Tu as fait 93. Ah bah. Il est subjugué par l'idée que quelqu'un mette son bras là-dedans. Que va-t-il se passer? Ça lui circuite tout le cerveau. Non mais j'ai fait un peu d'humour, mais très honnêtement, les mains dans les yeux ou dans. Enfin, il n'y a que la bouche où on peut mettre le bras. Ah oui. Ouais. Ah oui, okay. Mais ce qu'il y a, c'est que tu veux mettre le bras. Je peux pas mettre le bras dans la bouche d'un dauphin, je ne sais quoi. Non, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Bon, ben écoute, s'il n'y a que cette possibilité, ben j'y mets le bras. C'est voilà. Que c'est dangereux. Mettez le bras qui vous sert le moins, au moins, Novak. Ou alors, si vous voulez, on fait un jet de luck, et puis celui qui fait le moins bon met son bras. Hein. C'est la courte paille. Hein. Non. Non, non, c'était l'idée de Novak. Bon, ouais. Allez, j'y mets mon bras. Très bien. Au moment où tu mets ta main, tu sens qu'elle reste bloquée. Tu ressens une pression grandissante au niveau du poignet. Et tu t'essayes de retirer la main, mais tu n'arrives pas à la retirer. Et tu sens une vive douleur à la paume. Ça dure quelques secondes qui te paraissent très très longues. Puis tu ne sens plus ta main et par contre en essayant de retirer le bras tu peux le retirer et au moment où tu le retires tu retrouves ta main engourdie avec une petite tache de sang mais rien de plus et quelques secondes plus tard vous entendez un bruit très désagréable évoquant un gémissement strident qui se fait entendre tandis que les deux moitiés du coquillage se mettent à se séparer l'un de l'autre et à l'intérieur là de la structure se trouve un magnifique cristal doré
traversée de veines bleues et sculptée sous la forme d'un bouclier rond d'environ 60 cm de haut, avec la gravure d'une guerrière, entourée d'une monture luisante de verre et de métal rouge. Je peux te dire que je suis pas prêt de le mettre entre les mains de l'archéologue et que je vais le garder précieusement. Vous avez réussi, Novak. Vous avez réussi. Novak. C'est bon, vous embrasser. Je sens plus ma main, ceci étant. L'archéologue, de toute façon, il est sidéré par ce que tu viens de faire. Hein. Je suis très content que la section D ait avec nous, Novak. J'espère sachez bien que si vous aviez perdu votre bras, vous auriez une sacrée récompense, voire même une médaille. Ma famille aurait eu une sécurité sociale en Pologne, c'est ça? Toujours mieux que rien. Bon, ne perdons pas de temps. Ramassons ce cristal et puis essayons de sortir d'ici. Tu le ramasses, Maximilien? Maximilien, c'est toi qui le ramasses. Novak. Il ramasse quoi? Le cristal, Novak. C'est en fait une bouclier, quand vous le voyez. Oui, bouclier, donc c'est un oui. Tout à fait. Ah bah je suppose qu'il se retire du socle. Ouais, c'est toi qui le retire. Mais est-ce que je peux enlever ma main d'abord ou pas? Ah, ta main elle est déjà retirée. Ah d'accord. Mais sauf que elle est engourdie. Tu n'as plus qu'une main opérationnelle pour l'instant. Il vous appartient de récupérer le bouclier. Oui, bon, avec ma main libre. Je peux vous aider, si vous voulez. C'est lourd, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est du cristal, mais c'est lourd, ça représente quel... Ce que tu vois, en tout cas, c'est que dessus, tu vois le symbole d'Athéna. En tout cas, quelque chose qui correspondrait... Tobias, en tout cas, c'est ce que tu remarques en regardant. Ouais, je me dirige vers le bouclier, je le touche et enfin, si on m'en empêche pas, pour une raison ou une autre, je le prends avec la fascination d'un archéologue qui découvre un tel objet. Et en tout cas, quand tu vois, avant de le toucher, quand tu vois cette représentation d'Athéna, tu as l'impression que quelque chose diffère sans arriver à mettre le doigt sur ce qui t'échappe. Quand tu récupères le Clipeus, il est assez simple à prendre et il émet cependant une sorte de décharge électrique statique quand tu le touches et la lueur dans la pièce s'estompe légèrement avant de revenir et l'atmosphère dans la grotte se fait un peu moins oppressante. Et au niveau poids, elle est assez légère, donc tu peux la porter, mais elle semble plutôt robuste. Et cependant, l'œuvre est de toute beauté, et il s'agit là, pour toi, d'une création artistique impressionnante. Ce que tu as du mal à définir, c'est que tu commences à ressentir des ondes parcourir tout ton corps, jusqu'à ton cerveau, et là tu vois des images. Tu vois des images qui apparaissent à toi. Une première image, je vais la partager à tous parce que... On va dire que tu le partages. Non, c'est Tobias. Hein. Oui, Tobias, ouais. Non, parce que les Novak, vous allez bien. D'accord. Je crois que c'était Novak. Autant pour non, Tobias. Donc en fait... Oui. Tobias, tu vois trois images. Une première avec des sortes de cristaux bleus, avec un fond sombre. Je vais vous partager à tous l'image. Tu vois sinon une autre scène assez surréaliste. Ça se passe sur un autre endroit, un autre monde, où il y a une sculpture d'un ancien temple détruit. Avec le visage d'un héros grec, le regard abaissé. Je te les enverrai les images par la suite. Et ouais. Une troisième image
où on voit des êtres prisonniers dans des cristaux bleus. Des êtres humains? Oui, des êtres humains, oui. Tu vas perdre 2 points de santé mentale. Tu vas reprendre connaissance petit à petit. Vous, les autres, vous avez vu pendant un instant Tobias les yeux dans le vide, ne plus bouger, mais tenant fermement le bouclier. Tobias, vous allez bien? Tobias. Est-ce que je vais bien? Là, tu commences à reprendre tes esprits, ça a été assez rapide. Et tu as toutes tes facultés pour agir. Pendant ce temps-là, moi, je cherche une sortie. Au moment où le bouclier avait été récupéré, vous avez entendu en effet une sorte de bruit. Et derrière, en regardant, en allant en direction de ce bruit que tu avais pu entendre, là où tu t'es positionné, une ouverture s'est créée dans cette caverne, vous permettant d'accéder à une sortie et d'éviter de revenir sur vos pas en direction de ce cul-de-sac et de ces soldats de la Wehrmacht. On a une image de la deuxième vision ou pas? De l'ancien temple détruit avec le... Ouais, bah, je voulais pas montrer ça, non? Bah, non. J'en ai eu que deux, moi. On a ah, pardon. La première et la troisième. Ah, ok, merci. Oui. Très bien, que faites-vous? On prend le... Déjà, je regarde si Tobias a bien repris ses esprits. Et on oui, il tient toujours le bouclier. Et on évacue, sinon je lui prends. Vous arrivez à ressortir, voilà, sans rencontrer de véritables obstacles sur votre retour. Vous arrivez à retrouver une galerie et à trouver quelques passages en évacuant certains éboulis et en arrivant à un autre accès des catacombes. Et vous ressortez au niveau en avançant beaucoup plus loin. Vous arrivez sur la rive est de Rome. Un accès par une bouche d'égout. Vous faites procéder ça discrètement, ça se passe dans une petite ruelle. Vous avez avec vous le bouclier que vous pouvez, que Tobias éventuellement tu peux ranger dans un sac discrètement. Oui, dans la ouais. Pochette peut-être du P38. Il fait 60 cm. Hein, Ouais. Et donc voilà, vous avez réussi à récupérer le premier élément, le premier morceau de l'artefact. Palladium, ouais. Du palladium. Pour la suite maintenant, qu'est-ce que vous faites? Donc Lucrezia, vous aviez appelé des renforts. Ouais. Pour. On avait parlé du Caire, non? Enfin, c'est l'élément qu'on avait géographique qu'on avait. C'est le prochain objectif, mais pour l'instant, il nous faut quitter Rome. Oui, bien sûr. Et il faut faire exfiltrer Lucrezia. Hein. Bah, faire exfiltrer Lucrezia et puis comment il s'appelait?
Pasquino, qui est toujours. Pasquino, mais il est fou, quoi. Enfin, Enfin, dernière nouvelle, il était à la papeterie. s'il est encore dans la. Après, s'il retrouve, il retrouve, hein. Oui, voir s'il est Non. encore dans la boutique, enfin dans le la Oui, mais papeterie, pour oui. Pasquino, on avait déjà envoyé le message il y a déjà un certain temps. Enfin. Donc, ils ont peut-être déjà fait le nécessaire. Tandis que pour Lucrétia, on doit la sortir du camp. C'est Oui, et Lucrécia, elle a une peut-être un quelconque affaire. intérêt, celle de nous en dire un peu plus sur cette faction allemande là, avec cette patte d'ours. Elle en sait peut-être un peu plus aussi. Alors, c'est une patte, Oui. tu sais pas si c'est vraiment une patte d'ours, en tout cas, tu sais que c'est la patte d'un animal. Ah oui, enfin, patte d'animal, mais bon, ça ressemble à. Une patte de lièvre. Ouais, une grosse patte de lièvre alors. Après, on sait qu'on a un ennemi, enfin, on a ce fameux moine hypnotiseur là. Tibétain. Mais bon, le premier objectif, c'est de sortir du Christian, effectivement. Puisque maintenant, on a On a tout trouvé ce qu'il faut, ouais. le bouclier, l'objectif serait vraiment de la sortir Et simplement, qu'on entre s'apprête à guillemets, quitter Rome, ouais, du exactement, camp. ouais. Tout à fait. De toute façon, la priorité, c'est mettre le bouclier en lieu sûr. Et la deuxième chose, c'est sortir le Christian. Bah, mettre le bouclier en lieu sûr, c'est de le ramener, à mon avis, à Londres, hein, non? C'est ça. C'est plus que Vienne et Alors, j'imagine, est envahie. les Anglais sont présents à certains endroits dans le bassin méditerranéen. Bien sûr, le détroit de Gibraltar, il y a aussi Malte. Tout à l'heure, vous parliez La Turquie, d'Égypte. non? En Égypte, ils avaient encore le protectorat, même si l'Égypte avait obtenu son indépendance. C'est devenu un royaume. Depuis la Première Guerre mondiale. Et avant c'était une colonie anglaise, mais après il y a encore une forte influence anglaise. Il y a toujours des bâtiments administratifs, l'armée est aussi présente. Pourquoi je Et il y parle a que du d'autres aussi. Caire? Et il y a d'autres endroits aussi dans le bassin méditerranéen où ils sont présents. Moi j'ai parlé du Caire parce que je sais que c'est la mention qu'on avait comme quoi la pierre de Saïs s'y trouvera encore. Après, si Tobias arrive à avancer sur le journal, et voilà, il peut trouver des indices, on sait que de toute façon il y a cinq parties si j'ai bien compris et que. Alors on a toujours la traduction erronée de Burgsdorf. Et on a les éléments dans le journal des endroits où pourraient se trouver potentiellement les éléments de l'artefact du Palladium. Donc, moi pour le seul élément géographique que j'ai jusqu'à présent, c'est le Caire. C'est pour ça que j'ai parlé de ça, mais. De toute façon, ça va être une de nos destinations. Maintenant, s'il y a un protectorat anglais en Égypte, autant partir pour lui. On mettra le bouclier en lieu sûr là-bas et puis on pourra. Et Tobias pourra continuer effectivement à étudier le livre pendant le voyage. Tu veux amener le bouclier jusqu'au Caire ou bien le transmettre éventuellement à l'équipe qui va exfiltrer Lucrezia, qui pourrait le ramener à Londres. Sauf à dire qu'on veuille l'étudier, s'il y a quelque chose à étudier sur ce bouclier, on va dire. De toute façon, on ne pourra pas se balader avec. Donc, il faut faire quelque chose. Soit on l'emmène avec nous, on le donne une fois arrivé au Caire, soit on le donne à l'équipe d'exfiltration et charge à eux de l'apporter à bon port. Ouais. Moi, je privilégierais plutôt cette option-là, mais bon. Après, c'est toi le chef. Bah, déjà, qu'ils sortent Lucrétia du camp, on voit ça avec l'équipe d'extraction, et puis soit eux, ils prennent en charge l'objet,
parce que ça fait partie aussi de leur mission, ça fait partie des choses qu'on leur a donné, enfin que l'état-major leur a donné à faire. On verra bien, hein, de toute façon. Ils nous disent non, non, gardez-le et puis emmenez-le, emmenez-le au Caire. On a des spécialistes là-bas. Moi aussi. Toi, tu sais, Max, qu'ils ont encore des équipes. Hein, présentes. Pardon tu sais qu'ils ont des équipes en anglaises présentes là-bas, scientifiques, militaires. En Égypte. En Égypte. En Égypte, okay. Oui. Le mieux, ça serait d'emmener, de l'emmener avec nous, donc. Économiquement, ils dépendent énormément des Anglais et par rapport à cela, ils leur laissent encore beaucoup plus. Ils sont encore sous leur dépendance, officieusement. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de passe-droits. Ok, bon, on va le garder avec nous. Moi, j'ai surtout dans l'idée le fait que les Allemands sont en train d'envahir progressivement le monde et donc on a vu l'invasion de l'Autriche, donc de la Pologne. Voilà, après. Vous ne savez pas pour l'instant ce qui va devenir de l'Égypte, c'est sûr. Exactement, non, non, on est bien d'accord. Bon, bah, on amène le bouclier, de toute façon, c'est le chef, hein. C'est Maximilien, donc. Je suis les en ordres. En Angleterre, c'est ça ? Non, au Caire. On l'amène au Caire. Au Caire. Ah d'accord, on prend avec nous. C'est ce que tu as proposé, hein, Maximilien. C'est ce que j'ai proposé. Et comme qu'il y a des équipes de scientifiques sur place au Caire. Si on trouve, si on trouve l'autre partie de l'artefact, peut-être que les choses vont s'imbriquer ensemble. Oui, possible. Très bien. On va faire une ellipse. On va finir là-dessus. Vous allez donc. Excuse-moi, vas-y. Je te coupe deux petites secondes, Pazo. J'encouragerais quand même Tobias à vérifier surtout les traductions manifestement erronées de Burgsdorf. Parce que on est censé aller. Enfin, si on va au Caire, j'espère mettre la main sur la pierre de Saïs. Donc, du coup. Voilà, on pourra faire des comparaisons peut-être de traduction. Voilà, c'était juste en aparté. Avec celle d'Erlichmann aussi. Oui, oui, tout à fait. Le frottis, etc. quoi. Vous allez prendre avec vous donc le journal, bien évidemment, et puis la statuette. Je suppose, Tobias, tu conserves le journal avec toi. La statuette... Ah bon, la statuette... Et puis je le lis chaque fois possible. Ouais. Donc, vous avez un vol à 13h45, là il est tard dans la soirée. Vous avez un vol demain matin 13h45 depuis Rome pour vous rendre au Caire via l'Imperial Airways. Je vais vous partager quelques affiches. Vous allez utiliser un DH91. Et. Pendant ce temps, Tobias, tu vas pouvoir justement continuer la lecture des notes du professeur, du docteur Erlichmann. Et vous allez bientôt arriver au Caire. Et donc, en parcourant le journal du docteur, tu vas voir que la section sur l'Égypte, c'est de loin la plus longue du journal d'Erlichmann. Vous allez faire escale à Athènes pour rejoindre aussi ensuite le Caire. Et ce que tu lis au niveau de l'extrait de la pierre noire de Saïs, traduite par le docteur Bortou Erlichmann, c'est dans ce pays rouge et blanc. Le pays de la terre noire et des eaux généreuses, ils se feront un foyer, promettant de se souvenir des erreurs du passé afin de ne jamais les répéter. Ce qu'ils amènent avec eux, en plus de leurs pensées, de leurs souvenirs et de leurs peurs, sera gardé, protégé et nourri jusqu'au moment où il ne sera plus possible de le conserver à cet endroit.
Alors ils chercheront à le cacher, à l'enterrer profondément à jamais, dans l'espoir que la lumière éternelle des ténèbres ne le trouve ni ne le plie à sa volonté.